Madame Ingrid Morrison, s'il vous plaît. Harrison, c'est moi. Si vous voulez me suivre. Vous êtes venue avec tout ce monde-là? Oui. Je tiens vraiment à ce qui m'accompagne. Hein? On a des choses importantes à vous dire. Je vais manquer de chaise. C'est parce qu'on veut plus qu'il y ait de procès, maître. Oui, on a décidé d'arranger ça autrement. Oui, ouais, on veut pas que les charges soient maintenues contre Alicia. S'il y a des papiers à remplir, on est prêt à signer de suite. Oui, d'ailleurs, j'ai une lettre pour vous juste ici. Oui, c'est l'original, hein? On vous le certifie. Je voudrais que vous la regardiez. Bon, un instant, là, un à la fois, s'il vous plaît. Là. OK. Vous, vous êtes qui? C'est Olivier, mon chum. Le chum de la victime, OK. Et vous? C'est mon ex. Votre ex blonde? Oui, c'est ça. Puis moi, c'est Marthe. Je suis la grand-mère d'Olivier. Puis lui, c'est Geoffroy. J'habite chez eux en ce moment. Oh, Maître Lavergne. Bon, vous êtes qui, vous? Daniel Auger, je suis l'enquêteur dans le dossier. Excusez mon retard, je suis resté pris dans un bouchon dans le bout de ma rivelle. Hey, je suis pas fâché de vous voir arriver. Enchanté. Qu'est-ce que l'accusé fait à côté de la victime? L'accusé? Madame, je sais pas ce que vous faites ici, mais la cour vous interdit tout contact avec la victime et sa famille. Non, ça compte plus, ça. Il y en aura pas de procès, on veut tout arrêter. On veut retirer la plainte. C'est ça, les, oui. Les conditions tombent dans ce temps-là. Wow, 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 tout le monde un instant, là, c'est moi qui parle. Mademoiselle, j'aurais pas le choix de vous demander de quitter immédiatement les bureaux de la Couronne et idéalement le palais de justice. Comment ça? Vous êtes en situation de bris de conditions, c'est grave, là. Je pourrais demander à un constable du palais de justice de procéder à votre arrestation sur le champ. Monsieur Auger, j'apprécierais que vous raccompagniez mademoiselle à la sortie des bureaux, s'il vous plaît. Venez. Non, mais vous voulez pas mal faire, là, mais comme il y a une réconciliation entre les deux, puis qu'il n'y aura plus de procès, il n'y aura pas de comment procès. Comment ça, pas de procès? Qui a décidé ça? Ingrid? Nous? On n'est pas au civil, madame, là. Les plaintes criminelles, ça se règle pas à l'amiable. Il y a quand même eu tentative de meurtre. Elle veut plus témoigner contre Alicia. Je veux retirer ma plainte. Désolée, mademoiselle, mais ça marche pas comme ça, là. Quand une plainte criminelle est portée, la décision de la retirer ou non appartient pas à la victime, encore moins à la famille. C'est au procureur de décider ça. Donc, l'ex de votre amoureux vous a attaqué avec un couteau? Oui, mais en fait... Oui ou non? Oui. En plus, elle a remis ça un autre jour en essayant de vous étrangler avec une corde de nylon jaune, c'est ça? Mm-hmm. Donc, l'ex de votre amoureux est jalouse, elle essaye de vous tuer. Puis vous voulez que je retire la plainte? Elle s'est excusée, on s'est expliqué, puis je lui ai pardonné. S'il vous plaît, madame, je veux pas l'envoyer en prison. Avez-vous une bonne amie? Quelqu'un à qui vous tenez? Oui, Marie-Pierre, c'est ma meilleure amie. Imaginez qu'elle se fait violer. OK. Supposez que la police réussisse à attraper le violeur. Seriez-vous content? Mais oui. Ensuite, imaginez que quelques mois plus tard, Marie-Pierre décide de se réconcilier avec son violeur. Il l'a violée, là, il l'a agressée sauvagement. Elle a peut-être même eu peur de mourir. Mais là, monsieur s'excuse et Marie-Pierre lui donne sa bénédiction. Vous trouveriez pas que son violeur s'en tire un peu trop bien? C'est ordinaire, non? Hein? C'est stressant. Hey, t'inquiète pas, ça va bien aller, OK? Mm. Juste à dire que tu te souviens plus de rien. Mais anyway, oui, c'est normal, ça fait des mois que ça s'est passé. Ouais, facile à dire. Je vais prendre une fleur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? J'achète des fleurs à ma blonde. Merci, gardez la monnaie. Bon, il y a deux chefs d'accusation dans ton dossier. Celui qui fait mal, ben c'est la tentative de meurtre. Hein? Ça peut entraîner plusieurs années de prison, ça. Des années de prison? Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Alicia allait vraiment pas bien quand ça s'est passé. Vous pouvez pas, je sais pas, moi, la faire acquitter pour trouble mentaux. Alors, l'article 16 qui permet à un accusé d'être déclaré non criminellement responsable, ça coûte pas dans ce cas-là. Pourquoi? Maître Duchesne, il y en a qui ont fait bien pire, puis ils ont été acquittés. Pour évoquer l'article 16, il faut démontrer qu'au moment de commettre le crime, l'accusé n'était pas capable de faire la différence entre le bien et le mal. Puis les rapports médicaux d'Alicia indiquent pas ça. OK, je pense que c'est mal compris. Je savais très bien ce que je faisais. Par contre, si on réussit à faire tomber la tentative de meurtre puis qu'il reste juste le voie de fait, sur sentence, je pourrais essayer de t'obtenir une absolution inconditionnelle. Ça veut dire que t'aurais pas de casier. Tu penses apporter la lettre à Alicia? Oui, elle est dans ma sacoche. Je vais pas en parler au juge. Peut-être être moins borné que la procureure. Hey! T'es venu? Ouais. Salut. Je t'avais dit que j'y serais, là. Sais-tu vraiment que j'allais laisser tomber ma petite sœur? Le juge est prêt à commencer le procès. Je vais faire entendre Mme Harrison comme premier témoin. Si vous voulez me suivre. Non, non, juste elle. Son chum, je peux l'accompagner. Vous ne pourrez pas assister au procès tant que vous n'aurez pas témoigné. Ça change quoi? Mais si vous entendez la version des autres témoins, la défense pourrait plaider que vous avez arrangé votre témoignage. Par là, s'il vous plaît.
Comme ça, Donc, vous étiez au chalet avec votre ami Olivier? Oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial? Pas vraiment. Madame, vous êtes sous serment, là. Je vois pas pourquoi je reviendrai là-dessus, madame la juge. Je l'ai déjà dit à la procureure. Elle sait s'est excusée, puis je lui ai pardonné ce qui est arrivé. Madame Harrison, je vous ai pas demandé de raconter votre réconciliation. Je vous demande de me dire ce qui s'est passé au chalet ce jour-là. Répondez à la question de Maître Lavergne, s'il vous plaît. Je m'en rappelle pas très bien, ça fait trop longtemps. Ah, vous vous en rappelez pas. Reconnaissez-vous votre signature sur ce document, madame Harrison? Oui. Madame la juge, je vous demande la permission de faire relire au témoin sa propre déclaration. Accordé. Veuillez relire votre déclaration pour vous-même, madame. C'était en Californie. Êtes-vous restée seule au chalet tous les deux toute la soirée? Non. Comme je l'ai dit là-dedans, elle s'est venue nous rejoindre. Bon, on va finir par y arriver. Ensuite? Ensuite quoi? Avez-vous besoin de relire encore votre déclaration? Elsie avait apporté un couteau dans son sac. Merci. Elle a parlé à Olivier. Il a dit qu'il avait pas le droit. Pas le droit? Pas le droit d'être avec moi. Elsie? Non! Non! Foncé sur moi, Olivier a attrapé le couteau, il l'a pris par la lame, puis il s'est coupé avec. Il serait passé quoi si votre amie avait pas arrêté Alicia? Est-ce que ça va durer encore longtemps, vos questions? Ça dépend de vous. Plus vite vous allez répondre, plus vite je vais avoir terminé. La pendaison de crémaillère chez votre grand-père, est-ce qu'Olivier était là aussi? Oui. Avez-vous revu Alicia ce soir-là? Il faisait noir, je l'ai pas vraiment reconnue. Madame, l'avez-vous revue ce soir-là, oui ou non? Oui. Dans quelles circonstances? Est-ce que je peux prendre une pause? Non, madame. Répondez à la question de Maître Lavergne. Je suis sortie porter les poubelles derrière la maison. Tout à coup, j'ai comme senti une douleur dans mon cou. C'était Alicia qui serrait une corde. À quoi vous pensiez pendant qu'Alicia vous étranglait avec la corde? Que j'allais mourir. Je me suis mis à voir flou puis j'ai vu des étoiles. J'ai jamais eu aussi peur de mourir de toute ma vie. Je comprends pas, Ingrid, là. T'es supposée rester vague. Avec les questions de la procureure, c'était pas possible. Ah, il a mis beaucoup de pression. Ben voyons, quand tu t'en rappelles pas, tu t'en rappelles pas, c'est tout, là. Qu'est-ce que le juge a dit à propos de la lettre d'excuse? Elle en a pas parlé. Quoi? Non, mais c'est pas les témoins qui décident, là. Ça se passe pas comme on veut. Mais tu veux quoi, justement? Qu'Alicia fasse la prison? Où tu vas? La salle de bain, est-ce que j'ai ta permission? N'est-il pas exact, mademoiselle, que vous avez commencé à fréquenter Olivier Brabant alors qu'il était encore en couple avec ma cliente? Oui. Olivier trompait sa blonde avec votre complicité, puis vous, vous aviez aucun problème avec ça. C'est pas vrai, ça me dérangeait. Donc, Alicia est votre rivale? J'ai jamais vu Alicia comme ça. Ça vous arrangerait qu'elle se retrouve en prison? Vous auriez la voie complètement libre avec Olivier, exact? Vous êtes complètement dans le champ, là. J'ai voulu retirer ma plainte. Oui, mais maintenant que vous témoignez, c'est une belle occasion d'en beurrer épais pour vous débarrasser de ma cliente le plus longtemps possible. Exact? Pas du tout. Je vous ai dit la vérité, je suis honnête. Ah ben oui. Voler l'amoureux de ma cliente dans son dos, c'est un bel exemple d'honnêteté, ça. Objection, madame la juge. C'est une attaque personnelle injustifiée envers le témoin. Maintenu. Maître Duchesne, un peu de modération, s'il vous plaît. J'ai l'impression que c'était moi l'accusé. Il essaie de me faire passer pour une menteuse mais une profiteuse. Mais t'es juste un témoin. Alicia risque la prison, là. C'est normal que son avocat fasse tout pour la défendre. Olivier. C'est bizarre, on dirait que tu penses plus à elle qu'à moi là-dedans. Hey, c'est juste un procès, Ingrid. C'est pas un concours de popularité, là. Arrête-moi tes enfantillages. C'est beau de voir comment t'es de mon bord.
Je te dis que ma réputation a été salée devant tout le monde. Tu me dis que je fais des enfantillages. Ingrid, attends. Bon, laisse-moi. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'Olivier et Ingrid sont en chicane. Olivier fait ça pour t'éviter la prison. Va pas t'imaginer des affaires. J'imagine rien. Et Alicia est arrivée au chalet. À ce moment-là, j'étais assis dans le sofa avec Ingrid. Comment Alicia a réagi en vous voyant tous les deux? Elle était pas contente. Comme n'importe quelle fille qui trouve son chum avec une autre. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais qu'elle parte, que j'ai été bête avec elle. J'ai parlé rough. Elle a eu peur, puis elle a laissé sur un couteau pour se défendre. Pour se défendre? Se défendre de quoi? Ben, de moi. Mais c'était pas elle qui vous menaçait? Non. L'avez-vous vu? Elle est pas équipée pour menacer personne. Puis Alicia, je la connais, là, elle est douce, ça ferait pas de mal à une mouche. Tiens. Je m'ennuie de toi. Mais là, je suis juste partie chercher des bouteilles d'eau. Ah, mais c'était trop long. Oh. Et, votre blessure à la main, c'est arrivé comment? Ça, c'est pas la faute d'Alicia. Je voulais la sortir du chalet, puis c'est en essayant de prendre son couteau que je me suis blessé avec la lame. On va avoir les plus beaux enfants de ce monde. Mais à condition qu'ils te ressemblent. Oh! C'est bien la déclaration que vous avez faite aux policiers? Oui. Pouvez-vous nous lire les lignes 9 à 11, s'il vous plaît? Alicia s'est avancée vers Ingrid et moi en pointant un grand couteau devant elle. En tentant de l'arrêter, la lame m'a blessé à la main. Vous trouvez pas que c'est drôlement différent de témoignage? Ouais. Moi, j'étais... Je devais être nerveux quand j'ai écrit ça, là. Puis comme Ingrid avait mal vu, puis que t'es convaincu qu'Alicia avait voulu la tuer, là, j'étais mélangé. Je veux jamais que tu me quittes, OK? Jamais. Promis. Nous allons maintenant prendre une pause de 20 minutes. L'audience est suspendue. Pardon, Maître Lavergne. Quand vous aurez une seconde, j'aimerais ça vous dire deux mots. Bien sûr. Je vous écoute. Vous savez, toutes les deux, on est pas nés de la dernière pluie. Hein? On a fait neiger, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vais essayer de le prendre comme un compliment. Ah oui. Je suis très consciente que vous avez un travail à faire, là, mais le cas d'Alicia est très spécial. Hein? C'est une jeune fille très sensible. Elle a rien d'une criminelle. Puis s'acharner contre elle, ça l'aidera pas du tout. Madame, je suis d'accord avec vous sur une chose. Comme vous dites, je suis pas née de la dernière pluie. Écoutez, des accusés, j'en ai vu de toutes les sortes. Des agressifs, des doux, des hypocrites, des repentants. Ma façon de traiter Alicia vous convient peut-être pas, mais je peux vous assurer d'une chose. Je traite tout le monde de la même façon. C'est encore comme ça que je dors le mieux la nuit. Je veux pas qu'on chicane à cause de ce procès-là. Tu la fais passer pour une sainte. Comment tu veux que je réagisse? Ingrid, c'est toi que j'aime. Juste toi, tu m'entends? Si ça se passe comme ça, c'est parce que je me sens coupable vis-à-vis Alicia. Tout le monde se sent coupable. T'es pas supposé en avoir de procès. Le plan, c'était qu'on laisse tout tomber pour pas qu'elle se ramasse en prison. Toi-même, t'étais d'accord avec ça, rappelle-toi. Je te promets qu'après tout ça, on va prendre soin de nous deux, OK? Je t'aime. Moi aussi. Bon. Pensez à ce que je vous ai dit, Maître Lavergne. Ce qu'Alicia a fait, là, c'est très grave, mais je vous donne ma parole qu'elle a beaucoup changé depuis les événements. Après vous. Thank you.
Les secours arrivent, monsieur. Bougez pas. Est-ce que vous avez quelque chose de cassé? Non, je pense que mes jambes sont correctes. Ah, mon épaule. Écoute-le, Olivier. OK? Regarde, je suis capable de me rendre à l'hôpital par moi-même. Olivier, arrête, là. On va attendre l'ambulance, OK? Tu es... Vous l'avez sûrement entendu parler, Madame la juge. Ma cliente a été impliquée dans un malheureux incident hier, ce qui fait qu'elle comparaît devant vous aujourd'hui pour une nouvelle accusation de tentative de meurtre. Compte tenu de cette nouvelle accusation, la Défense et la Couronne s'entendent pour régler devant vous l'ensemble des dossiers ce matin, y compris ceux dont vous avez commencé à entendre le procès. J'ai un mandat clair de ma cliente, Madame la juge. Elle désire plaider coupable aux trois chefs d'accusation portés contre elle. Ce qui nous fait deux tentatives de meurtre et un voie de fait. Avez-vous une peine à me suggérer? Oui, la Couronne et la Défense vous recommandent de façon commune une peine de 4 ans de pénitencier. Très bien. Madame Maleski, levez-vous. Je vais suivre la suggestion des procureurs. Vous êtes donc condamné à une peine de 4 ans de détention que vous purgerez dans un pénitencier fédéral. Bonne chance. Madame Blanc. Bon, Maître Lavergne, je tiens à m'excuser. J'étais loin d'imaginer qu'Alicia pourrait être si dangereuse. J'ai une question. Je vous écoute. Vu que c'est clair qu'Alicia n'est pas bien dans sa tête, ça devrait pas diminuer sa peine. Diminuer sa peine? Parlez-vous de la défense basée sur l'article 16, ce que les gens appellent la défense d'aliénation mentale? Ouais, genre? Cette défense-là, c'est pas pour les colériques. C'est pour les gens qui décrochent de la réalité, qui vivent dans un monde parallèle à cause de leur maladie. En avez-vous déjà vu des vrais fous?